la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Timothée, mais c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, la Team Shape, au programme de cette vidéo, nous allons noter des youtubeurs français. Attention, alerte au clash, alerte au drama. Ou pas du tout en fait. Enfin tout ça, vous le découvrirez dans cette vidéo. Mais avant, j'ai deux choses importantes à vous dire. La première, pour toutes les personnes qui veulent prendre du muscle ou perdre du poids, je continue de poster tous les jours sur ma chaîne secondaire Thibaut In Shape Entraînement. Je vous propose des circuits abdos, des exercices pour prendre des fesses, des programmes pour avoir des gros pecs. Bref, tout ça se passe sur ma chaîne secondaire Thibaut In Shape Entraînement. Le lien est dans la description. Alors allez vous abonner tout de suite, on est bientôt 600 000. La deuxième chose, mon tapis de sport Team Shape, mes élastiques Team Shape et ma corde à sauter Team Shape sont disponibles sur mon site pour que vous puissiez faire du sport à la maison. Le lien est aussi dans la description. Maintenant, passe à la vidéo, c'est parti. Je sais pas si vous êtes au courant les gens, mais il y a un site qui existe et qui s'appelle Tierlist. Tierlist, ça sert à quoi? Ça sert en gros à noter différentes catégories de choses ou de personnes. Les meilleurs fast-food, les meilleurs acteurs de cinéma, les meilleurs pays à visiter. Et bien sûr, la personne qui fait cette liste classe du meilleur au moins bon. Cette liste n'est donc pas du tout objective puisqu'elle dépend des goûts de la personne qui crée cette liste. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire la même chose. Nous allons donc classer les youtubeurs français. D'ailleurs, tant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires lesquels vous préférez et pourquoi. Par contre, j'ai fait mes petits critères de sélection à moi. Donc, je vais classer les youtubeurs français dans différentes catégories. Vous êtes prêts? C'est parti! La première sera coup de cœur. C'est dans celle-ci que je mettrai vraiment les youtubeurs que je kiffe par-dessus tout. Les youtubeurs à qui il peut même arriver un gros drama, ils resteront au plus profond de mon pec. Ensuite, j'ai créé la catégorie « Je veux un feat avec ». En gros, c'est la catégorie qui permet de faire passer implicitement des messages. Et aussi de me projeter et me dire « Tiens, pourquoi pas je ferai une vidéo avec ce youtubeur-là ». Ensuite, j'ai créé la catégorie « Drôle ». Ensuite, il y a la catégorie « Instructif ». Pour toutes les chaînes YouTube qui ont pour vocation de nous apprendre quelque chose. « Talentueux ». C'est dans celle-ci que je mettrai les gens qui, je trouve, ont un réel talent. Ensuite, il y a la catégorie « Futur gros youtubeur ». C'est ici que je mettrai les chaînes qui, selon moi, ou un gros potentiel d'avoir 10 millions d'abonnés ou plus. La catégorie à découvrir absolument, qui sont des chaînes YouTube que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui ont un réel potentiel. Et ensuite, parce qu'il en fallait une, la catégorie gênant. Qui seront donc les youtubeurs à être dans cette catégorie? Avec qui va-t-il y avoir des dramas, des embrouilles, des altercations? Quel conflit de youtubeurs va enflammer la twittosphère? Vous le découvrirez dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. Car si vous restez jusqu'à la fin, ça fait plus de watch time et du coup, la vidéo, elle est plus mise en avant et je sais pas si j'ai le droit de vous dire tout ça. Bon, tant pis. Donc c'est parti, on a un choix de youtubeurs sous ce tableau. Donc j'en suis conscient, il n'y a pas tous les youtubeurs. Donc je pense que je serai amené plus tard à faire une autre vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par le roi des rats. Le roi des rats que je vais mettre en coup de cœur. Tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'entendais son nom, mais j'avais vraiment jamais trop regardé les vidéos YouTube. Et il n'y a pas longtemps, j'avais un gros trajet à faire en voiture. Et je me suis mis ces vidéos en mode podcast pour les écouter sans les images et c'était trop intéressant. Donc très cool et très instructif. Ensuite, Skyrose. Hey, je vais le mettre en talentueux. Talentueux pourquoi? Parce que je suis pas du tout un gamer et pourtant Skyrose avec son dynamisme et son punch, il arrive à me captiver et je regarde ses vidéos jusqu'au bout. Alors que j'en ai rien à faire de Call of. Mais juste parce qu'il est vraiment énergique dans ses vidéos, ça capte l'attention et c'est juste super plaisant à regarder et divertissant. Donc talentueux pour Sky. Maintenant, Poisson Fécond. Poisson Fécond, je vais le mettre en instructif. Tout simplement parce qu'il fait des vidéos super intéressantes que j'adore écouter. Il y en a une de lui qui m'a particulièrement marqué, c'était celle sur si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se serait passé? Et c'est super intéressant, c'est trop cool à regarder. Franchement, moi je m'éclate. Jérôme Niel, et du coup il a deux chaînes YouTube. On va le mettre en talentueux avec sa chaîne des tutos aussi, qui est une pépite. Franchement, c'est ouf. Je regardais sa chaîne de tutos avant de moi-même commencer mes vidéos YouTube. Franchement, c'est un super acteur qui parle dans tous les sens, les vidéos sont vraiment délire. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse d'autres vidéos YouTube. Ensuite, on va mettre Michou. Michou, je vais le mettre dans futur gros youtubeur. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo avec lui il y a pas très longtemps où je l'ai fait un peu souffrir au sport. Et c'est ouf de se dire que ce mec là, il a juste 18 ans et déjà plus de 3 millions d'abonnés. Pour moi, il a tout compris sur YouTube, il a vraiment un gros potentiel. Ensuite, on va prendre Norman, notre petit Norman, et on va le mettre je veux un feat avec. Alors oui, j'en ai fait il y a très longtemps, mais j'ai pas encore eu la chance de le faire souffrir au temple. Donc Norman, si tu vois la vidéo, t'es le bienvenu
bienvenue dans mon temple. T'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. En plus, tu fais un régime en ce moment. C'est le moment ou jamais. On va prendre Néo maintenant. On va le mettre en talentueux. Tout simplement parce qu'il a 14 ans et il arrive à gérer une chaîne YouTube de plusieurs millions d'abonnés. Et juste ça, c'est admiratif. À 15 ans, je sais pas ce que vous faisiez les gens, mais personnellement, jamais j'aurais eu les épaules pour gérer une chaîne YouTube de plusieurs millions d'abonnés. En plus, il arrive quelquefois que sur YouTube ou Twitter, les haters sont sortis. Et à son âge, il a vraiment réussi à se forger une carapace et à passer outre les critiques. Et ça, tout le monde n'y arrive pas. Alors chapeau l'artiste. Ensuite, ZKRI78. On va le mettre à Je veux un feat avec. Tout simplement parce que ça fait longtemps qu'il veut perdre du poids et que ce serait un plaisir infini de l'entraîner le temps d'une vidéo. Je suis sûr qu'en plus il a un gros mental et un gros potentiel. Ensuite, on va prendre Tartinex et on va le mettre dans Drôle. Tout simplement parce que quelquefois je me mate ses vidéos et c'est super divertissant, ça passe tout seul et il anime super bien ses vidéos, donc je me régale. Et avec lui, je vais mettre Farod. Farod aussi que je suis depuis très longtemps, qui a cette capacité à te faire regarder une vidéo en entier sans t'en rendre compte. Genre des fois j'allume une vidéo, je me pose devant, puis la vidéo se termine et ça fait déjà 15 minutes. Maintenant on va prendre Gotaga. On va le mettre dans Talentueux. Tout simplement parce que c'est en partie grâce à lui que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et en fait je me suis rendu compte que moi je jouais pas à Call of, mais je regardais ses vidéos. Et c'est là que je me suis dit que moi-même il faut que je réussisse à faire aimer le sport et la muscu à des personnes qui en ont rien à foutre à la base. Et à vrai dire, ça a plutôt pas mal marché. Donc je vais le mettre dans Talentueux. Bah du coup, soit des Néo, je vais aussi les mettre dans Talentueux en reprenant exactement ce que j'ai dit sur Néo. Et soit en plus, il est trop mignon, il est adorable. Ensuite, on va prendre Super Connard, pardon Cyril, et on va le mettre dans Coup de cœur. Car il m'arrive de regarder régulièrement ses vidéos et c'est vraiment super intéressant. J'ai hâte de voir les prochaines. Et avec Cyril, je vais mettre Le Grand JD, qui lui aussi se bouge le cul à faire plein de vidéos, à partir aux États-Unis, dans des pays, on sait même pas qu'ils existaient. Des fois, il passe la nuit dans des maisons. Mais jamais de la vie je fais ça. Je lui laisse, il est plus courageux que moi. Par contre, je suis en train de me rendre compte que la catégorie à dégourir absolument est inutile, puisque la majorité sont des gros youtubeurs de plusieurs millions d'abonnés. Donc vous les connaissez déjà certainement. Donc je vais la remplacer par la catégorie fait plus de vidéos, point d'exclamation. Catégorie qui signifie en gros que j'incite le youtubeur à faire encore plus de vidéos parce que ça mérite. Ah, mais je l'avais pas vu. Notre petite Roxane de l'atelier de Roxane, on va la mettre à coup de cœur. On va la mettre à coup de cœur, ouais. J'ai déjà rencontré Roxane de l'atelier de Roxane avec Loïc et toute sa famille. Et franchement, ils sont adorables et ils bossent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'ils bossent? D'ailleurs, on va être amené à se revoir très bientôt et j'ai hâte de vous montrer les prochaines vidéos. D'ailleurs, petit message à Loïc, son mari. J'espère que ta remise en forme se passe très bien parce qu'on se voit dans un mois. On va faire le bilan. Le coup de pression. Ensuite, on va prendre Hugo Posey en drôle. Lorsqu'on clique pour regarder sa vidéo, hop, on est obligé de la regarder jusqu'au bout. Il y a des titres partout, des explosions, des zooms, des cuts. Honnêtement, je m'inspire beaucoup de ses montages pour mes vidéos. Il a toujours le sourire et tout, franchement, super cool. Je vais même le changer, je vais le mettre Je veux un feat avec, parce que je pense que ça peut être très cool et très original. On va prendre maintenant Pierre Cross. Et Pierre Cross, je vais le mettre en drôle, parce qu'il arrive à inventer des nouveaux concepts de vidéos vraiment originaux. Mais moi, je suis jaloux et je me dis putain, j'aurais dû y penser avant. En plus, il fait un super duo avec son pote Benjamin Verrecchia. Maintenant, on va prendre Andy Raconte et on va la mettre à Fais plus de vidéos. Bordel! Andy, franchement, elle a tout pour réussir. C'est une super actrice et super youtubeuse et pour moi, elle devrait faire encore plus de vidéos sur sa chaîne YouTube. Je sais qu'elle fait beaucoup de grosses réalisations et de grosses vidéos et que ça prend beaucoup, beaucoup de temps à faire. Mais je me dis des fois qu'elle devrait presque faire des vidéos plus simples et ça marcherait autant, voire encore mieux. Pat Larrea, pareil! Fais plus de vidéos! Le mec, il est BG, il est musclé, il est drôle et il est super sympa. Et il y a pas de vidéo sur sa chaîne. Bon, après je me dis qu'il doit être occupé sur d'autres projets de vidéos. Hugo tout seul, pareil, fais plus de vidéos. Jérémy, pareil. Jimmy fait le con aussi. Alors je les connais pas personnellement et peut-être que je m'avance en disant ça, mais ils ont peut-être fait un burn-out. J'avais vu la vidéo de Jimmy fait le con où il parlait qu'il avait eu une mini dépression. C'est vrai que faire des vidéos régulièrement sur YouTube, ça met un certain stress. Après je dis ça, peut-être que je dis de la merde, hein. Je trouve que ces youtubeurs ont vraiment énormément de talent et c'est juste dommage à mon avis qu'on voit pas plus de vidéos d'eux. Après, peut-être qu'ils travaillent tout simplement sur d'autres plus gros projets à côté. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire, ça va aussi pour Antoine Daniel. Quoique non, il faut arrêter de le faire chier à lui dire de faire de nouvelles vidéos YouTube. Il en fera quand il aura envie. Donc, je vais le mettre tout simplement à drôle parce que moi, il me fait marrer. Kemar aussi, je vais le mettre en fait plus de vidéos bordel. Il a vraiment son humour et son personnage à lui. Et perso, je suis vraiment client de ça. Ensuite, on a Mathieu Sommet. Soit je le mets dans fait plus de vidéos bordel, soit je le mets dans drôle. Je vais le mettre dans drôle. Il refera des vidéos quand il aura envie.
envie. Pour moi, c'était vraiment un des premiers youtubeurs à faire vraiment des montages hyper travaillés et c'était super agréable à regarder. Ensuite, je vais prendre Nous avec Bengui et je vais le mettre dans Talentueux. Bengui, je l'ai connu dans l'émission On ne demande qu'à en rire et il m'avait vraiment fait pleurer de rire. Puis les caméras cachées de Greg sont juste ouf, trop drôles. Et pour en avoir fait, en toute honnêteté, les caméras cachées, je trouve que c'est l'un des formats les plus difficiles sur YouTube. Donc pour ça, il a tout mon respect. Maintenant, on va prendre Seb. À la base, je l'aurais mis en drôle, mais je vais le mettre en instructif grâce à son reportage qu'il a fait en Papouasie. Si vous l'avez pas vu, allez le voir car c'est génial. Furious Jumper. Je vais le mettre en coup de cœur parce que mon petit frère Baptiste est fan de lui. Et il y a quelques temps, j'avais demandé à Furious d'envoyer à mon frère une petite vidéo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et mon frère Baptiste était trop content. Donc juste pour ça, merci Furious. Ensuite, on va prendre McFly et Carlito. J'hésite entre Je veux un feat avec et Talentueux. Je vais les mettre en Talentueux tout simplement parce qu'ils sont arrivés il y a pas longtemps avec leur chaîne YouTube et ils ont bouffé tout le monde. En 1 ou 2 ans, ils sont passés de 0 à 5 millions d'abonnés et c'est incroyable. En plus, actuellement, ils sont en train de perdre du poids, donc respect à eux et bon courage. Fast Good, je veux un feat avec parce qu'on avait fait une vidéo ensemble il y a très longtemps où on avait fait un burger alter de je sais plus de 40 000 calories. Mais la vidéo elle date, donc je pense qu'on pourrait refaire une vidéo cool ensemble. Max Bird, instructif. Je trouve que Max Bird, c'est un peu le prof qu'on aurait tous voulu avoir. Grâce à lui, on apprend des choses et on se divertit. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'avais croisé à l'aéroport. On était à Paris-Orly et on allait descendre à Toulouse. Et au moment où on allait passer notre billet d'avion pour rentrer dans l'avion, il avait oublié sa carte d'identité. Du coup, malheureusement pour lui, il a pas pu prendre l'avion. Et je me suis retourné, je l'ai regardé en mode « Tant pis !» Rémi Gaillard, fais plus de vidéos bordel. Alors je sais qu'il est très occupé et j'ai vu sur Twitter qu'il se présentait aux élections municipales pour Montpellier. Mais ses caméras cachées me manquent. Et franchement, arriver à réussir à faire passer des messages sur la condition animale tout en faisant rire des personnes, ça force le respect. Donc Rémi, dès que t'as le temps, fais une nouvelle vidéo. Fabien Olicard, instructif. Dans ses vidéos, on apprend plein de choses sur la confiance en soi, sur l'étude du langage et comment on peut arriver à connaître une personne juste en la regardant sans même qu'elle nous parle. Franchement, il y a plein de vidéos super intéressantes que je vous conseille, alors régalez-vous. Joyka, je veux un feat avec parce qu'il me fait trop rire dans ses vidéos et il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Amixem, pareil, je vais mettre je veux un feat avec. On en a souvent parlé mais on n'a jamais rien fait, donc cette année il faut absolument que ça se mette en place. Vodka, pareil. En fait, je suis en train de me dire qu'il faut que j'aille faire un tour à la Redbox. Le Palmacho, coup de cœur. Tous leurs sketchs, ils sont magiques. Dr Nozman, je vais le mettre en instructif car grâce à lui, quand je regarde une de ses vidéos, je me sens moins con. Mastu, je vais le mettre en drôle car des fois avant de dormir, je regarde ses vidéos et... Ah non, 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 non. Je vous vois venir, c'est pas ce que vous croyez. Et il a une façon de raconter les histoires qui est hyper captivante, donc je vais le mettre en drôle. Amy, je vais la mettre en talentueuse, car ses courts-métrages sont vraiment un régal à regarder. Ibra, je veux un feat avec. Même si j'en ai déjà fait un avec lui il y a quelques temps, il faut que je prenne ma revanche à la muscu. Ou qu'il me montre comment on se bat. Sullivan Gwed, je vais le mettre en futur gros youtubeur. Pour moi, il a vraiment une personnalité et un gros potentiel. Il a juste besoin de faire encore plus de vidéos. Mister V, que je vais le mettre en... Je veux un feat avec Ivy qui a la muscu. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Je pense que ça peut être très drôle. Joueur du grenier en drôle. C'est un des tout premiers youtubeurs auxquels je me suis abonné. Et pour la petite histoire, je lui avais même envoyé un mail il y a très longtemps quand il avait perdu du poids pour le féliciter. Je lui avais proposé s'il voulait de faire une vidéo autour de cette thématique là et comment il avait réussi à perdre du poids. Donc s'il voit la vidéo et qu'il veut motiver des nouvelles personnes à perdre du poids, la balle est dans son camp. John Rachid en coup de cœur, tout simplement parce qu'il a fait une super vidéo sur le port du voile. Asie Atomique, fais plus de vidéos bordel. Enjoy Phoenix, Marie, talentueuse car depuis le temps qu'elle est sur YouTube, elle a vraiment toujours réussi à se renouveler et ça franchement c'est fort et pour ça respect. Cyprien, je vais le mettre en drôle car ses vidéos sur les réunions c'est les meilleures de YouTube. Surtout avec Ludovic et Julien, ils font vraiment un super trio. Madiba, pareil, je vais le mettre en drôle aussi. Le Rire Jaune, fais plus de vidéos bordel, on en veut plus. Natou, je vais la mettre en drôle, elle a une superbe écriture et ses podcasts sont vraiment trop drôles. Jigme, fais plus de vidéos bordel. L'Hollywood, je vais les mettre en talentueux car eux aussi leurs sketchs sont vraiment super bien travaillés. Shira, je vais la mettre en drôle aussi. Ouais, elle me fait marrer. Ah putain, il commence à y avoir plus trop de place là. On va rajouter une colonne de drôle et on va rajouter une colonne de talentueux. Sandy Jules, pareil, je vais le mettre en fait plus de vidéos bordel car pour moi je trouve qu'il a vraiment un gros potentiel. Il peut vraiment encore
plus percer. Emma Cakeup, je vais la mettre en drôle. Elle fait trop rire cette meuf. Le monde à l'envers, talentueux. Squeezie, je vais le mettre dans talentueux. Tout simplement parce que ce mec, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Il a toujours réussi à se renouveler. Il a une communauté de ouf qui le suit et qui est là à chacune de ses vidéos. Réussir à perdurer dans le temps, c'est l'un des trucs les plus durs sur YouTube. Donc pour ça, chapeau l'artiste. Allez, un dernier pour la route, la team shape, après je dois y aller. Ah, le meilleur, Thibaut in shape. Alors, coup de cœur ou je veux un feat avec. Bon, je veux un feat avec, c'est un peu con. Allez, gênant. Gênant avec un accent circonflexe, s'il vous plaît. Et voilà, team shape, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de mettre tous les youtubeurs. Donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Et regardez une autre vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!